Deux ans après son décès, Céline Dion révèle un détail douloureux sur son éperonné Angeline et ses derniers instants. C'est lors d'une émission australienne de Project que Céline Dion s'est confiée sur les derniers mois douloureux de son éperonné Angeline décédé il y a deux ans. Céline Dion continue d'évoquer avec amour et tendresse le souvenir de René Angeline, son époux décédé il y a deux ans. Pourtant dans l'émission de Project, diffusée en Australie, dans laquelle elle s'est confiée, Céline a souhaité partager un détail douloureux que malheureusement bien des patients atteints d'un cancer subissent. Pendant trois ans mon mari n'a pas pu avoir une gorgée d'eau même de nourriture. Il devait se nourrir à l'aide d'un tube. Céline qui rappelait sur son compte Instagram que René fut le seul homme que j'ai aimé. L'artiste a évoqué les derniers moments de son époux lors de cette interview diffusée le 18 février. Il a vécu trois années d'agonie. Je souhaitais qu'il soit en paix. Je souhaitais qu'il se sente léger et sans tourment. Il a eu une petite crise cardiaque, ce fut rapide, il n'a rien senti. Je crois qu'il a été libéré de sa souffrance.